Donc voilà, je suis toujours dans le bon sens. S'il a tendance à tourner mon téléphone, alors du coup, il y a des vidéos. Ça va pas être top, top, top. J'espère ne pas que ça tourne systématique. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Donc notre bordure, elle bouge pas. OK? Là, on passe au point de riz. Donc, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, ça en fait deux, à l'envers, puis à l'endroit. Je passe mon marqueur. Pour pas que j'oublie que ces quatre mailles-là, c'est le motif. Du coup, je tricote toutes les mailles à l'endroit. J'ai pas compté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34. C'est bien ça. Donc là, je tricote 34 mailles tout à l'endroit. Et ici, on repart. Donc, hop, je mets mon marqueur pour pas oublier que ces 4 mailles-là sont le motif. Donc on était sur du point de riz, donc une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je passe mon marqueur et je continue ma bordure normale. Je tourne mon travail. Deuxième rang, donc le deuxième rang du motif au point de riz. Donc là, on ne change rien. La bordure, hop, ici le point de riz. Donc j'ai la barrette devant, donc c'est une maille à l'endroit, le V à l'envers, la barrette à l'endroit et levé à l'envers. Je passe mon marqueur. Ici, je tricote les 34 mailles tout à l'endroit. J'espère que je ne suis pas trop haute, hein, que vous voyez ce que je suis en train de faire. Voilà, je passe mon marqueur et on n'oublie pas ici le point de riz. Donc ça veut dire le bâton, une maille à l'endroit, le V à l'envers, le bâton à l'endroit et le V à l'envers. Hop, on passe le marqueur et là on se retrouve avec les mailles de la bordure. On fait la bordure, 7 mailles, toujours tout à l'endroit. Ok, je tourne mon travail et on va faire le dernier rang
du point de riz, donc une. Donc là, c'est la bordure, donc les 7 mailles à l'endroit. Ok. On passe le marqueur. Et ici, c'est le point de riz. Donc le V, c'est une maille à l'envers. Le bâton à l'endroit, à l'envers. Puis on termine avec une maille à l'endroit. Je passe mon marqueur. Et ici, les 34 mailles, toujours tout à l'endroit. J'arrive au marqueur, je passe le marqueur. On n'oublie pas qu'il y a le point de riz. Donc le V, c'est une maille à l'envers. Le bâton, maille à l'endroit. Le V à l'envers. Et le bâton à l'endroit. On passe le marqueur et on termine par la bordure. Hop. Je tourne mon travail. Le fil de démarrage, du coup, il est là. On est sur l'endroit du travail. Là, c'est le point de riz. D'accord. Donc là, maintenant, on va passer. Donc, on a fait le point de riz. On va passer au jersey. Donc, on fait donc la bordure. Hop, je vois rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Les 7 mailles de bordure. On passe le marqueur. Donc, on a dit jersey. Donc, le premier rang, on avait dit tout à l'endroit. Une. Hop, je suis passé où là? 2, 3 et 4. Passe le marqueur. Et ici, les 34 mailles, on va les... non, je dis des bêtises. Une fois qu'on a passé le marqueur, on tricote 7 mailles. 1, 2, à l'endroit. 3, 4, 5. 6 et 7. En tout, vous avez 18 mailles. 7 de bordure, le motif, et ça sera 7 mailles pour l'autre bordure de l'encolure. Et c'est à partir de maintenant qu'on va rabattre les mailles. Donc je compte bien 2, 4, 5, 6, 7 mailles. Tricote la 8e, la 9e et je rabats. Ok. Et vous avez toujours 2, 4, 5, 6, 7. Ne pas oublier de garder 7 mailles à l'extrémité.
2, 4, 6, 7. J'en ai encore 2, 5. Une, trois, quatre, cinq, deux, quatre, cinq, six. Et il me reste, hein, voilà, j'ai toujours deux, quatre, cinq, six, sept. Là, j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Je passe mon marqueur et on est arrivé sur du jersey endroit. Donc, tout à l'endroit, une, deux, trois et quatre. Passe le marqueur et on continue avec notre bordure. Ok. Donc voilà, notre travail est séparé en deux. Alors, soit vous mettez le côté en attente sur une maille, hop, ou soit vous laissez sur votre aiguille, hein, suivant comment vous êtes à l'aise. Donc là, on a fait le premier rang du jersey. Là, on va faire le deuxième rang de jersey. Donc, on est parti sur 7 bordures. On passe le marqueur. Jersey à l'envers, vu qu'on est sur l'envers du travail. Je passe le marqueur. Et là, on a notre bordure de l'encolure. 7 mailles. Donc, tout à l'endroit. On tourne notre travail. Donc là, c'est là que je vous dis, hein, si vous n'êtes pas à l'aise, c'est maintenant qu'il faut mettre votre travail ici en attente sur des arêtes mailles ou un fil, une aiguille. Comme vous voulez. On est reparti. Hein. Donc, la bordure, nos 7 mailles. Le troisième rang de jersey, donc c'est-à-dire à l'endroit. Je passe mon marqueur et on va faire les 7 bordures. Voilà. Donc, on a fait notre point de riz qui est là. Donc, jersey, point de riz, jersey. Et donc là, on va faire les 3 rangs du point mousse. Donc, on tourne notre travail. Hop. Et on va tricoter la bordure. Je passe mon marqueur. Donc là, tout à l'endroit. Une, deux, trois, quatre. Mon marqueur. Ma bordure. Ça, c'est le premier rang. Tourne notre travail. Deuxième rang. Je passe mon marqueur.
Donc toujours tout à l'endroit, parce qu'on est sur le point de mousse. C'est le deuxième rang. Voilà. Tourne notre travail. Et le troisième, dernier rang du point mousse. Toujours tout à l'endroit. Je passe un marqueur et la bordure. Voilà. Je tourne mon travail. Voilà ce que ça donne. Donc on a fait ici le point mousse, point mousse. On va passer au jersey. Donc le jersey, 3 rangs, premier rang tout à l'endroit. Donc là, on commence déjà par la bordure. Je passe le marqueur. Donc le premier rang de jersey tout à l'endroit, 4 à l'endroit. Je passe le marqueur, la bordure. Je tourne mon travail, hop, ça va être donc la bordure, deuxième rang de jersey tout à l'envers. Donc là on va faire la bordure, passe le marqueur, donc là jersey à l'envers, une, je suis où là, 2, 3, 4, je passe mon marqueur. Et je repars sur ma bordure à l'endroit. Voilà. Et le dernier rang du motif jersey, ma bordure. Le marqueur. Donc comme on est sur l'endroit du travail, donc 4 mailles à l'endroit. C'est le troisième rang du motif jersey. Je passe mon marqueur et la bordure toujours à l'endroit. Voilà. Là où nous en sommes. Ça monte gentiment tout en continuant le motif. D'accord? Je vais faire toute cette partie-là avec vous hein, pour être sûr hein, de ne pas vous perdre. Une fois qu'on a fait, donc on est ici, hein, le jersey, hein, point mousse, jersey, on passe au point de riz. Donc on tourne notre travail. Hop. On fait la bordure. Passe le marqueur, point de riz, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Passe le marqueur et la bordure tout à l'endroit, ça ne change pas. Je ne sais pas où je suis cadré. Hop. Je tourne mon travail. Deuxième rang du motif riz, donc la bordure. Je passe le marqueur, donc ici j'ai le bâton, donc ça veut dire une maille à l'endroit. J'ai levé une maille à l'envers. Le bâton à l'endroit, levé à l'envers. Je passe le marqueur. Et je fais la bordure. Je
tourne mon travail, le dernier rang. Oui, hein, j'ai fait deux. Je sais plus. Je sais plus. Si, c'est ça. Dernier rang. Hop, la bordure. Le marqueur. Ici, j'ai levé, donc ça veut dire une maille à l'envers. Le bâton, une maille à l'endroit. Lever, une maille à l'envers. Le bâton, une maille à l'endroit. Troisième rang du point de riz. Et là, je fais ma bordure. Hein, tout à l'endroit. On ne change pas. Voilà. J'ai fait mon point de riz qui est là, là. On repasse en jersey. Donc, trois rangs de jersey. Donc, on commence par la bordure. Je passe mon marqueur. Donc, premier rang de jersey, c'est tout à l'endroit. Passe mon marqueur et on fait la bordure tout à l'endroit. Tourne notre travail. Hop. La bordure. Passe mon marqueur, le jersey comme on est sur l'envers, donc à l'envers, une, deux, trois mailles à l'envers, je passe mon marqueur et je fais la bordure tout à l'endroit. Je tourne mon travail. Et là, je fais mon dernier rang tout à l'endroit. Donc là, la bordure, déjà pour commencer. Hop, là, je termine mon dernier rang de jersey. Donc, tout à l'endroit. Je passe le marqueur. Et je passe les mailles de la bordure. Tout à l'endroit. Voilà. Une fois qu'on a fait donc le point de riz, là on a fait le jersey, et ben on va faire les trois rangs du point mousse. Donc on va faire trois rangs, toutes les mailles à l'endroit. Elle est où? Hop. Donc, hop. Je passe. Donc, motif point mousse. Donc, tout à l'endroit. Je passe le marqueur. Ça, c'est rang 1. De mon travail. Rang 2. Hop, et donc 4 mailles au point mousse. Je passe mon marqueur et la bordure. C'est peut-être trop. Je tourne mon travail.
Non, j'ai fait mes... Et mon dernier rang au point mousse. Je pense à autre chose en même temps. Je suis déjà arrivée sur les rangs plus haut. Du coup, j'ai perdu... je ne savais plus où j'en étais. Donc, non. Notre dernier rang du point mousse. Donc, une, deux, trois, quatre. Hop. Et la bordure. Ça, faites bien attention, hein, notez bien où vous êtes arrivé, hein, pour ne pas vous perdre. C'est important, les trois rangs. Donc voilà, on a nos deux barres de point mousse. Donc, on est là. On va refaire. Donc, après la mousse, c'est le jersey. Donc, on est reparti. Donc, la bordure. Donc, ça ne change pas. Je passe le marqueur. Donc, comme c'est du jersey, le premier rang est à l'endroit. Je passe mon marqueur et je fais ma bordure. Je suis peut-être un peu haute, non? Je tourne mon travail, la bordure, je passe mon marqueur, comme c'est du jersey envers, parce qu'on est sur l'envers du travail, donc, deuxième rang de jersey, je passe mon marqueur et ma bordure, mes 7 mailles à l'endroit, et le dernier rang du motif jersey. Donc, on va faire la bordure, toujours à l'endroit, ça ne change pas. Hop, je passe mon marqueur. À l'endroit, les 4 mailles, parce que c'est du jersey, et comme on est sur l'endroit du travail, on fait du jersey endroit. Je passe mon marqueur. Et je termine par la bordure, les 7 mailles. Voilà, ok. Une fois qu'on a fait le jersey, donc on va faire les trois rangs du point de riz. On y est presque, hein. On a presque fini ce côté-là. J'espère que j'ai assez de quoi filmer cette partie, hein. Donc la bordure tout à l'endroit. Passe le marqueur, point de riz. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je passe le marqueur, la bordure, je change pas tout à l'endroit. Rang numéro 1 du point de riz. Rang numéro 2, donc bordure. Je passe mon marqueur. J'ai le bâton, donc c'est une maille à l'endroit. Lever une maille à l'envers. C'est le rang numéro 2 du point de riz. Hop. À l'envers. Je prends mon marqueur et je fais ma bordure. Je tourne mon travail, la bordure, je
Je passe mon marqueur. C'est le dernier rang du point de riz. Donc, je suis avec un V, donc ça veut dire une maille à l'envers. Hop, ici, bâton à l'endroit, à l'envers et à l'endroit. Je passe le marqueur et je fais tout à l'endroit vu que c'est la bordure. Hop, je vais vérifier que j'ai encore assez d'espace pour faire la suite. Donc voilà, on était arrivé à là. On a terminé le point de riz. Une fois qu'on a fait le point de riz, donc on passe au jersey. Hop, donc oust. Hop, donc on va toujours faire notre bordure. J'ai peut-être baissé un peu trop mon trépied, je vois plus trop ce que je fais. Hop. Alors je passe mon marqueur. Donc on a dit du jersey, donc le premier rang, un rang tout à l'endroit. Je passe mon marqueur et donc ici la bordure. Voilà. Je tourne mon travail. Deuxième rang du rang jersey, donc la bordure pour pas changer. Hop, je passe le marqueur. Deuxième rang du rang jersey, donc c'est à l'envers parce qu'on est sur l'envers du travail. Je passe mon marqueur et la bordure tout à l'endroit pour pas changer. Je tourne mon travail. Dernier rang du point jersey. Donc, la bordure. Je passe mon marqueur. Et là, tout à l'endroit, le troisième rang du point jersey. On passe le marqueur. Et là, la bordure. Tout à l'endroit. Voilà, donc on a fait 1, 2, et là on va faire le point mousse, et on arrive à la fin. Hop, donc là, le motif point mousse, donc la bordure. Je passe le marqueur. Donc tout à l'endroit, premier rang, je passe le marqueur, tout à l'endroit, je tourne mon travail, deuxième rang tout à l'endroit, je passe le marqueur, donc tout à l'endroit. Je passe le marqueur, la bordure. Hop. On tourne le travail et le dernier rang du motif, tout à l'endroit.
Donc là, j'enlève mes marqueurs. Donc là, c'est tout à l'endroit, dernier rang. Et là, hop, j'ai bien mon point mousse une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Mon côté est fini. Donc, plus qu'à rabattre. C'est pour ça que j'ai enlevé les marqueurs. J'en ai plus besoin. Donc je tricote, je prends la maille, je la passe par-dessus, je tricote, je passe la maille par-dessus. Et j'oublie pas de laisser du fil pour la couture. Sais pas ce que j'ai fait de mon autre paire de ciseaux. Hop. Et voilà. Maintenant, on reprend l'autre côté. La question est, souvenez-vous, qu'est-ce que vous avez fait ici? Vous vous rappelez qu'on a commencé ici, qu'on a fait la diminution? On avait fait un rang de jersey tout à l'endroit, vu qu'on était sur l'endroit du travail. Donc maintenant, on va reprendre notre travail. Donc on tourne et on va commencer. Aïe, j'ai déjà perdu un marqueur. Non, il est là. Pas que j'y perde. On va commencer par du jersey, mais à l'envers, vu qu'on est à l'envers du travail. Hop. Alors moi, la première maille, je ne la tricote pas. C'est une maille lisière. Donc là, c'est la bordure. On change pas. Donc, tout à l'endroit. On passe le marqueur. Donc là, c'est le deuxième rang de jersey, du motif jersey. Donc, comme on est sur l'envers du travail, à l'envers. Passe le marqueur et la bordure tout à l'endroit. Ok, je tourne mon travail et je fais le troisième rang jersey.
Donc, la bordure toujours à l'endroit. Je passe mon marqueur. Donc, le troisième rang jersey, c'est tout à l'endroit. Je passe mon marqueur et ici, je fais tout à l'endroit, vu que c'est la bordure. Hop. Point de riz, jersey, donc ça veut dire point de mousse. Donc je tourne mon travail. Et on va faire les trois rangs au point de mousse. Donc là, la bordure, normale, tout à l'endroit. Je passe mon marqueur. Ici, comme on est au point mousse, donc rang 1, tout à l'endroit. Je passe le marqueur. Je tourne mon travail. Hop, rang 2, tout à l'endroit. Donc, rang 2, tout à l'endroit. Je passe le marqueur et ici, tout à l'endroit. Bordure. Je tourne mon travail et le dernier rang du point mousse, enfin, du motif point mousse, tout à l'endroit. Je vous ai tricoté jusque là pour pas que vous soyez perdus. Et à partir de là, je vais vous laisser continuer et faire exactement la même chose qu'on a fait l'autre côté. Hop. Voilà, on a fait, hop, on est arrivé ici au point mousse. Donc, point mousse, trois rangs jersey, le point de riz, jersey, point mousse. Et on vous continuez le motif ici. Je vous ai tricoté jusqu'au point mousse hein, pour bien que vous ayez, que soyez pas perdu. Donc voilà. Hop. Et vous me tricotez exactement ce qu'on vient de faire de ce côté-ci. Point mousse, jersey, riz, jersey, mousse, jersey, riz, jersey, mousse. Ok. Et une fois que vous avez tricoté ceci, hein, on va refaire la même chose. Donc 56 mailles. Les côtes de 2, tricoter le motif. Par contre, je reviendrai vers vous pour vous dire combien de motifs et à quel endroit je me suis arrêtée pour le dos. D'accord? Et je reviens vers vous. Je vous dis à tout de suite. Alors, les explications, c'est pas évident de les marquer. Donc, j'ai marqué ça comme ça. Je sais pas si vous allez réussir à vous comprendre. Donc là, c'est les 7 du bordure qui sont ici. Les 4 ici et les 7 là, du côté où on a rabattu. C'est là où j'ai marqué rabat. En tout, il y a 17 parts en mousse. En partant d'ici. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
en partant de là, hein. 17 points, 17 barres, 17 barres, point mousse. Oh, je suis fatiguée, j'arrive plus à parler. C'est la bordure qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Pour celles qui ont besoin peut-être d'un surplus ou d'un écrit. Je ne sais pas comment, je savais pas comment vous marquer ça. Donc voilà, j'ai mis ça comme ça. Le mieux, c'est de bien regarder la vidéo. J'explique vraiment tout, comment faire ce côté-là. Je reprends donc avec vous le démarrage de l'autre côté. Il n'y a plus qu'à suivre après le motif et de faire exactement comme on vient de faire de ce côté-là. D'accord? Bon, je vous dis à tout de suite. Donc, j'ai dézoomé. Alors, j'allais avoir un petit peu mon cercle ici. C'est la lumière. Donc, c'était juste pour vous montrer ce que ça donne une fois le devant. Voilà. On a les deux côtés. Ça, c'est le devant et l'arrière. Voilà ce qui donne. Donc, je vais dézoomer pour que vous voyez bien où j'en suis. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est vraiment le gros plan. Voilà. Essayez de... Du coup, ici, donc on a repris comme le devant, 56 mailles. On fait exactement la même chose, c'est identique. Et du coup, j'ai tricoté. Ça, c'est le point mousse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 points mousse. OK. Et 3 rangs jersey. Voilà ce que ça donne. Donc, je récapitule. Le dos, 56 mailles. On fait comme le devant. Et on fait 9 motifs mousse. C'est ce que je viens de compter. Donc, la première barre qui est ici, juste après les côtes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ici. OK. 3 jersey et on stoppe. Donc, j'ai fait les 3 rangs jersey. Et là, j'ai stoppé. Je vous ai... Maintenant, donc, il n'y a plus grand-chose à faire. On est arrivé sur la fin. On va juste faire les épaulettes des deux côtés. Alors, avant de faire les épaulettes des deux côtés, hop, je tourne mon travail. Hop, je récupère mes petits marqueurs. Parce que on va faire... pas tout à fait comme devant, mais on va se retrouver avec une toute petite partie ici, avec les 18 mailles et le motif. Pour cela, hop, donc 3 rangs jersey, comme je vous ai dit, je tourne mon travail, donc là je suis sur l'envers du travail, et je tricote donc les 7 mousse, 4 points riz, mousse, comme, hop, pour que vous vous souveniez où on en est. Donc, point mousse, jersey, jersey, riz. Donc, on va faire le point de riz. Et après, on passe en jersey. OK? Tout simplement. C'est tout ce qu'on va faire pour le petit motif dans le dos. Donc, comme vous voyez, on a presque fini. Donc, là, je suis sur l'envers de mon travail. Je fais les 7 mailles au point mousse.
je passe mon marqueur. Et là, on va faire 4 mailles au point de riz. Donc, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Pour ne pas se tromper, moi, je passe un marqueur. Et là, on va tricoter tout au point mousse pour faire la bordure de l'encolure du dos. Tout simplement. Hop. N'oubliez pas de vous arrêter 4 mailles avant d'arriver au niveau du marqueur. Deux, trois, quatre, encore une. Je passe le marqueur. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je passe le marqueur. Donc j'ai tricoté mes 4 mailles au point de riz. Et je fais les 7 mailles au point mousse. Donc, tout à l'endroit. Ok? Je tourne mon travail. Hop. Deuxième rang. Je fais les 7 mailles. Donc, la bordure. Hop. Je passe le marqueur. Donc, deuxième rang du point de riz. Ici, j'ai le bâton, donc c'est une maille à l'endroit. Lever une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Puis une maille à l'envers. Je passe le marqueur. Je tricote tout au point mousse. On tricote jusqu'au marqueur. Je passe le marqueur, les 4 mailles au point de riz, donc le bâton à l'endroit, levé à l'envers, bâton à l'endroit et levé à l'envers. Je passe le marqueur et je fais la bordure, tout simplement. On change pas. Je tourne mon travail et le dernier rang du point de riz. Donc, la bordure. Le marqueur, donc ici une maille à l'envers, le bâton une maille à l'endroit, une maille à l'envers, le bâton une maille à l'endroit. Je passe le marqueur et je tricote tout au point mousse jusqu'au prochain marqueur.
Je passe le marqueur. Le point de rire, donc ici, une maille à l'envers. Le bâton à l'endroit. Le V à l'envers. Et le bâton à l'endroit. Je passe le marqueur et je fais la bordure. Et on vient de faire le motif point de rire. Hop, voilà ce que ça donne, la bordure, le point de riz, le point mousse, le point de riz et le point mousse. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va séparer notre travail comme on a fait avec le devant. Donc on va faire la bordure, le point de riz, 7 mailles. On rabat, tricote 7 mailles, le point de riz, du jersey et le point de mousse. Parce qu'après le point de riz, c'est du jersey. Hop. Là, c'est ce qu'on vient de faire. Riz, riz, riz. Ok. Ici, on est là. Donc, 7 mailles jersey. 7 mailles mousse, donc la bordure, le jersey, la bordure, on rabat, la bordure, le jersey et la bordure. Ok ? Et après, on va travailler séparément et on va tout rabattre, tout simplement. Alors, on est parti. La bordure. Je passe le marqueur. Donc, les 4 mailles, c'est le premier rang jersey, donc tout à l'endroit. Je passe mon marqueur. Ici, je compte 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. OK ? Il faudra tout le temps avoir ces 7 mailles sur cette aiguille. Je tricote la 8e, la 9e, la 8e, je la passe par-dessus la 9e. Et je tricote. Je tricote et je rabats les mailles. Sans oublier de garder 7 mailles à l'autre bout. Comme on a fait pour l'encolure du devant. Alors souplement, pas serré, que ça fasse une barre, faut que ça reste assez souple pour avoir une jolie finition. Hop. Alors, 2, 4, 6, j'ai encore 2, 4, 5. Ce qui me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 6 mailles ici. 2, 4, 6. Plus celle qui est là toute seule. Ça fait 7. Que je tricote à l'endroit. Parce que c'est la bordure. Je passe le marqueur. Là, on est sur le jersey. Donc, tout à l'endroit,
le premier rang jersey. Je passe le marqueur et je tricote la bordure. Je tourne mon travail et on va tricoter ces 18 mailles, donc la bordure, je passe le marqueur, donc là c'est le deuxième rang du jersey, donc à l'envers. Vu qu'on est sur l'envers du travail, je passe le marqueur et la bordure, donc au point de mousse, tout à l'endroit. Je tourne mon travail. Alors, soit vous mettez cela en attente ou vous les gardez sur votre aiguille, c'est vous qui voyez. Je tourne mon travail, donc là je suis sur l'avant du travail, la bordure, le point mousse et le dernier rang de jersey, donc tout à l'endroit. Enfin les quatre mailles à l'endroit. Je passe mon marqueur et je fais la bordure tout à l'endroit. Au point mousse, voilà. Voilà ce que ça donne. Jersey, riz, jersey. Ok. Donc on vient de faire les trois rangs de motifs jersey. Et maintenant on va faire trois rangs au point mousse. Donc je tourne mon travail. Et je vais pouvoir enlever les marqueurs parce que je ne vais plus en avoir besoin. Hop. Donc tout à l'endroit. J'enlève le deuxième. Et pareil, tout à l'endroit, premier rang. Je tourne mon travail. Zoup. Deuxième rang. Je tourne mon travail et le troisième rang. Oh, pardon. Excusez-moi, j'arrive toujours à vous taper dessus. Je vous bouscule, je vous bouscule. Donc ça, c'est le troisième rang, tout au point mousse. Et on obtient nos deux barres. Et là, on va rabattre les mailles. Tout simplement.
Et une fois fini de rabattre toutes les mailles, alors si vous n'avez pas laissé assez de fil de l'autre côté, c'est le moment de laisser du fil de ce côté-ci pour pouvoir faire la couture. Au cas où. Des voisins en liberté dans la rue et du coup ils aboient sur tout ce qui passe. Hop. La petite balade du dimanche. Hop. Soupe. Hop. Et je fais mon petit nœud. Tout simplement. Et voilà, notre dos est presque fini. On reprend, hop, donc on était comme ceci, on a rabattu, d'accord. Donc là on a fait le premier rang du jersey, on tourne notre travail, on va, hop, rajouter, remettre le fil. Hop. J'ai toujours pas été chercher mon crochet. Ça aurait été beaucoup plus facile. Tant pis pour moi. Soupe. Hop. Moi, je fais un petit nœud pour le bloquer là. Hop. Et on va faire donc la bordure, comme tout à l'heure. C'est une maille lisière pour moi. Je passe mon marqueur. Donc, comme on a dit tout à l'heure, là, on est sur le deuxième rang jersey. Donc, comme on est sur l'envers du travail, tout à l'envers. Je passe mon marqueur et je fais ma bordure, les 7 mailles. Je tourne mon travail. Et je fais le dernier rang du motif jersey. Donc là on fait la bordure, hop, le marqueur, donc dernier rang jersey, c'est tout à l'endroit, 4 mailles à l'endroit, je passe le marqueur et là je fais la bordure. Voilà, je tourne mon travail et là on fait les 3 rangs point mousse. Donc on enlève tous les marqueurs, il n'y en a plus besoin. Hop. Donc, ça c'est le premier rang. Tourne mon travail et on fait le deuxième rond. Ce qu'on fait d'un côté, on refait exactement la même chose de l'autre côté.
Je tourne mon travail et là, c'est le dernier rang du point mousse. Et voilà, on a exactement la même chose. Plus qu'à rabattre toutes les mailles. Et on a fini de tricoter notre chandail. Donc, on rabat toutes les mailles jusque là. Si vous n'avez pas laissé de fil sur le devant, hop, moi j'ai laissé. Si vous en avez pas, n'oubliez pas d'en laisser. Hein. Moi j'ai sur les deux. Ok. Si vous avez omis de laisser du fil pour la couture, pour coudre ici les épaules, une fois que vous avez rabattu vos mailles, n'hésitez pas à laisser. Pas beaucoup, hein, parce qu'il y a, vous voyez, hein, il y a juste cette partie-là qui sera à coudre. À tout de suite. Voilà, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai mis comme bouton, hop, vous allez voir, un petit nounours. Là, j'ai dézoomé pour que vous voyez bien ce que ça donne. Alors c'est pas tout à fait fini, hein. J'ai un côté ici qui est cousu, là je l'ai pas cousu parce que je vais le faire avec vous, mais c'est pour vous donner une petite idée. Il nous restera juste à tricoter ce petit morceau là, installer les boutons et voilà, le tour est joué. Sans couture, enfin pratiquement sans couture, parce qu'il y a juste les épaules à coudre, en fait, c'est tout. Il y a peut-être deux morceaux, mais il y a juste ici à coudre. Donc voilà, voilà. Je vais dézoomer et on va coudre l'épaule ensemble. Et on va faire la petite patte d'accroche qu'il y a ici ensemble. Je vais du coup zoomer. Voilà, du coup ça fait beaucoup plus grand et ça passe pas dans l'écran. Donc je vous disais, j'ai mis moi du coup le petit nounours qui est de la même couleur. J'aurais pu mettre le petit panda. Du coup automatiquement ça change d'allure ou un bouton classique. À la place, voilà. J'aurais pu mettre autre chose, hein. Voilà, voilà. Je suis partie sur le nounours, comme je suis dans les mêmes tons de couleur. Voilà. Mais une petite touche. Donc, une fois qu'on a tout fini, comme je vous disais, j'ai fait la couture. Tout simplement. Hop. Donc, je vous avais demandé de garder un fil pour faire la couture. Hop, si j'ai vu ce que j'ai fait. Wow. Alors, on va passer. Hop. Ici, hein, je vais peut-être zoomer encore plus. Voilà. Vous avez les V. Je prends la barrette à l'extérieur. Si vous avez le V, je prends la barrette à l'extérieur. Tout simplement. Barrette à l'extérieur. Barrette à l'extérieur. Barrette à l'extérieur. Barrette à l'extérieur.
comme il y avait 18 mailles là et 18 mailles là, si vous prenez bien les bons V hein, au bon endroit, ben vous avez le même nombre. Au final. Bien faire attention de pas décaler hein. Et que vous n'avez pas trop serré d'un côté hein, et moins de l'autre, tout simplement. Ah, ce que ça donne, hop. Je tire un peu sur mon fil. Voilà. Hop. Je reprends. J'y ai fait. Hop, je passe à côté. C'est ici. Là, en face. Et le dernier qui est là, avec le dernier qui est là. Moi, je passe dans la petite boule ici, et je passe dans la petite boule ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Je sais pas si vous avez vu du coup ce que j'ai fait. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir cacher mon fil ici. Hop. Faire un petit nœud pour stopper le fil de la couture. Voilà. Et on va continuer à le passer parmi les mailles. Hop. Et je coupe sans couper votre tricot. Je dis ça, ce méta arrive à vouloir trop couper trop à ras la boulette. Est arrivé. Donc voilà, on a cousu. Hop. Du coup, une fois qu'on l'a cousu, on le met bien à plat. Voilà. Du coup, moi je suis partie à partir de là. Alors, si vous voulez mettre ça plus haut, vous mettez plus haut, il n'y a aucun problème. Moi j'ai fait ça au cas où s'il a un petit sweat, un petit pull, quelque chose d'épais en dessous, qu'au niveau de la manche, ici l'emmanchure qui est là, qui reste à l'aise dans ses mouvements. Voilà, tout simplement, qu'il soit pas en goût. J'aurais pu le mettre un chouille plus haut. Mais bon. Du coup, je suis partie sur ce ici. Alors moi, ça me fait donc un riz, deux riz, trois riz. Et j'ai un, deux riz en haut, le troisième. Ce qui me fait en fait sur le devant ici la moitié. Donc, hop, je prends. Du coup, j'ai commencé comme ça, hop, oui. Donc de là, du bas vers le haut, pour commencer. Hop, parce que quand on va tourner, on va commencer à tricoter dans l'autre sens. Du coup, j'ai fait... Donc ici, j'ai deux,
2, 3. Alors, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop. Alors, normalement, ça, j'ai dit 2, 3. Hop. 1, 2, 3. Ouais, j'ai pas piqué au bon endroit. Bah. Hop. 3 et 3. 1, 2, 3. 3 à partir du bas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ça. C'est celui-là. C'est bien ici. Donc j'ai les deux ici. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, un, je pars de là. 1, 2, 3. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Il y a les petites boules. Je prends vraiment la 4, 5. 6 et 7. Pourquoi j'ai pas ici, moi? J'ai raté une boulette. Qu'est-ce que j'ai foutu ici? Elle est où, ma boule? Hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mailles. Ok. Donc ici, j'en ai 2, 3, 4, 5. En fait, je repars ici. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Hop. Et ici, je mets mon fil de démarrage. Je l'accroche à l'intérieur. Je la passe, hop, dans une maille. Et je vais l'accrocher, tout simplement. Et je viendrai cacher le fil après. Du coup, je tourne mon travail. Donc, ma pointe est en face de moi. Je vais tricoter. Alors, le premier rang, je la tricote. Après, je ne la tricoterai plus parce que ça sera une maille lisière. Donc, une maille. Deux mailles. C'est un peu serré au début parce qu'on a remonté les mailles. Hein. 3. 4. 5. 6 et ma dernière, je la tricote à l'envers. Pourquoi à l'envers? Parce que ça me fait des petits V sur le côté qui fait une plus jolie finition que des petites boules au point mousse. Voilà, tout simplement. Donc je fais une maille à l'envers, je tourne. Ma première maille, du coup, la maille que je viens de tricoter à l'envers, je ne la tricote pas. Je la fais glisser et je tricote toutes les mailles. Sauf la dernière, je la tricote à l'envers. Ok? Alors, je ne suis plus dedans. Je la tricote à l'envers. Je tourne mon travail. Hop. Je voulais faire du gros plan, mais en fait, je sors du cadre.
ma maille que je viens de tricoter ici à l'envers. Donc la première, je la fais glisser, je ne la tricote pas. Et je tricote toutes les mailles, sauf la dernière. Je tricote la maille à l'envers. Je tourne mon travail. Et la première maille, je la fais glisser. Et je tricote toutes les mailles à l'endroit. La dernière à l'envers. Je tourne mon travail. La première maille, je la tricote pas. Vous voyez, ça forme un V sur le côté. Je la prends, je la glisse et je tricote les autres mailles. Ma dernière maille, je la tricote à l'envers, tout simplement. Et vous voyez, ça forme des... Oups, là, je suis où là? Ça forme des V. Vous voyez? Dézoomer. Hop, à vouloir faire des gros plans, ça veut pas forcément. Je sors un peu plus du cadran. Je sais pas si vous allez voir quelque chose au final. Hop, hop, hop. Donc je tourne mon travail. Hop. Ma première maille, je la fais glisser. Et je tricote les autres mailles. Hop. Je dis les autres mailles, j'ai pas dit tout bras en dessous. Hop. Et ma dernière, je la tricote à l'envers. Je tourne mon travail. Je prends ma première maille, je la fais glisser et je tricote toutes les mailles sauf la dernière. Je la tricote à l'envers. Hop, je tourne mon travail. Je tourne ma pelote aussi parce qu'autrement je fais des tournicotis et je m'y retrouve plus. Faut tout démêler après. Je glisse et je tricote et la dernière maille à l'envers. Alors j'ai 1 2 3 4 Donc je fais glisser ma maille et je tricote. Ma dernière maille à l'envers. Hop. En fait, voilà, j'ai trouvé. Je la tourne dans un sens et dans l'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Encore deux barres. Je glisse. Je tricote. Ma dernière maille à l'envers. Vous voyez ce que ça donne?
Hop. Je prends ma maille, je la glisse et je tricote les autres mailles à l'endroit, sauf la dernière. Je glisse, je tricote les autres mailles. Et la dernière, je la tricote à l'envers. Je glisse, je tricote tout à l'endroit, sauf la dernière à l'envers. Alors, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barres. Une fois que j'ai mes 7 barres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on fait la boutonnière. Ouais, pour une fois, je ne l'ai pas oublié. Hop. Je glisse ma maille. Je tricote une, deux mailles. Je fais un jeté et je tricote les deux mailles suivantes à l'endroit. Ok. Une maille à l'endroit, puis la dernière à l'envers. Je tourne mon travail. La première, je la fais glisser. Et je tricote à l'endroit les mailles, le jeté, maille, maille, et la dernière à l'envers. Je tourne mon travail, je glisse, je tricote tout à l'envers, à l'endroit, pardon. Et la dernière à l'envers. Et vous voyez, on a la boutonnière. Je tourne mon travail. Hop. Je glisse. Je tricote à l'endroit. À l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, et la dernière à l'envers. Je tourne mon travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, encore deux rangs. À l'envers. Hop. Ah, c'est pour mes bagues. Et le dernier, je glisse, je tricote, je tricote. Hop. Et la dernière à l'envers. Et là, j'ai mes 10 barres de point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a fait la boutonnière. 8, 9 et 10. Je rabats toutes les mailles. Donc, je glisse, je tricote. La maille glissée, je la passe par-dessus. Je tricote, maille glissée, je la passe par-dessus. Je tricote, maille glissée par-dessus. Je tricote, maille glissée par-dessus. Je tricote, maille glissée par-dessus. Ici, maille à l'envers.
et celle-ci par-dessus. Jusqu'au bout. Vous voyez ce que ça donne. Hop. Donc là. Et l'autre côté. Une belle finition en V tout autour de notre... Et elle est moins 10. Moins floppy floppa quand on fait pas avec c'est joli aussi, hein, mais je trouvais pour la boutonnière ça faisait un petit peu plus stylé, un peu plus travaillé. Voilà. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Simplement. Zoup. Donc, je remets. Et là, je vais plus qu'à cacher mon fil. Donc, j'ai plus qu'à cacher mon fil ici. Et mettre la boutonnière, le deuxième bouton qui est là. Voilà. Donc, je vous laisse terminer. Hein. Vous savez mettre un bouton. Je vais fignoler ça. J'espère que, bah, du coup, le tuto vous aura plu. Et que le tuto vous aura plu. Et que je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.